Salut à toutes et à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur LCP. Ce mois-ci, nous allons nous pencher sur nos poubelles. En moins d'un siècle, nous sommes devenus des homo détritus de compète, d'autant plus performants que tout nous y incite dans cette société de l'obsolescence programmée et du tout jetable. Le plastique, ça se recycle. Les ordures, ça se composte, nous dit-on, mais au vu des chiffres, on a bien du mal à y croire, Raphaël. Chaque Français produit en moyenne 568 kg de déchets ménagers par an à l'échelle de la planète. En incluant l'activité industrielle, l'humanité produit 2 milliards de tonnes de déchets solides. Et si on extrapole cette tendance, qui est à la hausse évidemment, ce chiffre pourrait atteindre 3,4 milliards en 2050. En 2050, il y aura donc plus de plastique que de poissons dans la mer. Alors maintenant, concrètement, que fait-on ? En France, depuis le 1er janvier, les collectivités doivent proposer une solution pour trier nos biodéchets. Où en est-on ? Où finissent nos ordures ? Et que faire pour mieux les gérer, peut-être tout bonnement, en produire moins ? Au fait, maman, j'ai arrêté l'avion. Pour en parler, j'accueille une scientifique directrice de recherche à l'INRAE et spécialiste mondiale du plastique, Nathalie Gontard. Bonjour. Bonjour. Face à vous, la philosophe Jeanne Guien, qui a décrypté les ressorts cachés de notre dépendance à la consommation. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Maëlle Lemoile, directeur d'un centre Leclerc à Granville et vice-président de Périferme, l'association qui regroupe les enseignes de la grande distribution. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. Avant de vous donner la parole, nous avons cherché à comprendre ce que deviennent nos déchets, ces déchets qui ont colonisé tous les milieux, l'air, la mer, la terre et même l'espace, et qui affectent lourdement nos écosystèmes et notre santé. Depuis peu, au nom de l'écologie, nos poubelles sont promises à une deuxième vie, mais le sont-elles vraiment ? Comment ? Et à quel prix ? Le tout au pot, c'est un reportage d'Emma Guizot et Ibar à Ibar. Penn Mirabeau, sur les hauteurs de Marseille. Renaud Reynaldo, ostéopathe, vit ici avec sa fille de 10 ans. Et ils ont tout pour être heureux. Hop. La piscine, le soleil, le barbecue, une maison de rêve. Avec tout de même un petit bémol. Le matin, je pars avec la petite, elle ouvre la porte, elle me dit « Oh papa, ça sent la poubelle encore aujourd'hui. » C'est bon quoi. Je suis déçu pour elle. Parce qu'en fait, c'est... Certes, c'est notre maison avec la petite, mais je l'ai acheté pour elle quoi. J'ai pas acheté une poubelle pour ma fille. Car à quelques mètres de là, une décharge enfouit dans le sol les déchets de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Quand Renaud a acheté sa maison en 2017, elle était déjà présente, mais sa fermeture était planifiée pour 2022. Finalement, non seulement elle n'a pas fermé, mais elle s'est agrandie il y a un an. 270 000 mètres cubes de roches ont été dynamités pour accueillir encore plus de déchets. Ce jour-là, Renaud rejoint son voisin, Pierre Montangon, président du comité d'intérêt du quartier. Ça commence à sentir un peu. Ouais. Ici, entre 150 et 175 000 tonnes de déchets sont enfouis chaque année par Suez, pour être ensuite recouverts avec de la terre et du gravat. Vous voyez ça, en fait, c'est pas naturel. Tout ce qu'on voit de terre, là, en fait, ce sont des monticules de détritus qui ont été recouverts de terre. Toute cette zone, là, qui remonte jusqu'à la tour, tout là, en fait, ce sont que des déchets qui sont cumulés depuis 50 ans. C'est le mont poubelle. Vous voyez ? Et là, en fait, vous avez toutes les mouettes dessus, elles grattent un petit peu. Parce qu'elles savent que ben derrière, en dessous, elles vont pouvoir manger, il y a quelque chose à prendre. Cette décharge, officiellement appelée installation de stockage de déchets non dangereux, devrait enfouir seulement des déchets dits ultimes, c'est-à-dire des ordures qui n'ont pas été recyclées en centre de tri ou brûlées en incinérateur. De toute façon, vous voyez, c'est simple, le camion qui est là-bas, c'est une benne. C'est une benne qui fait le ramassage des poubelles. Ça va être le tri qui est fait par le concitoyen. Mais par contre, si on fouille dedans, il y a de tout. Hein. Les quelques 350 camions défilent toute la journée, vident leurs ordures sur le sol et repartent. Ce matin, devant nos caméras, trois camions pleins font demi-tour. Celui qui est devant,
en orange. C'est lui qui donne les consignes, en fait. Ah ouais, donne les consignes, déballe pas, ils sont en train de filmer, c'est pas la peine. Je pense qu'ils devaient surtout y avoir des choses qu'on ne devait pas voir et qui devraient surtout ne pas être là. Polystyrène, papier, fer, n'importe quoi, de tout. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui va fouiller. Une fois que c'est sous 5 mètres de terre, on ne va pas aller chercher ce qui a été enfoui ou pas. Aux portes de Marseille, on se retrouve avec une poubelle géante à ciel ouvert. Je ne suis pas un expert, mais elle est où l'écologie, là? C'est-à-dire combler un trou avec tous les déchets humains. Comme à Penn Mirabeau, cela fait maintenant des décennies que la France étouffe sous les déchets et n'arrive plus à les gérer. Que faire de toutes nos ordures ménagères? En France, nous avons doublé notre production de déchets ces 40 dernières années. Chaque habitant génère en moyenne 580 kg d'ordures par an. C'est plus que la moyenne européenne. Nous en jetons la moitié dans notre poubelle grise. Pourtant, des règles existent pour mieux les traiter. 35% de nos déchets sont des papiers et des emballages qui devraient être jetés dans la poubelle jaune. Et depuis le 1er janvier 2024, nos épluchures et déchets verts devraient être obligatoirement compostés. Mais pour l'instant, l'essentiel de nos ordures est soit enfoui en décharge, soit brûlé en incinérateur. Alors quelles sont les conséquences de cette gestion de nos poubelles pour l'environnement? Deux visions s'opposent. Juliette Franquet est directrice de Zero Waste France et Denis Penouel est directeur général des services du SICTOM. Aujourd'hui, il y a une quantité de déchets astronomiques et il faut les gérer. Donc il y a les décharges, il y a les incinérateurs. Pour nous, c'est un peu comme la lèpre ou le choléra. C'est-à-dire que les incinérateurs sont très polluants, les décharges sont très polluants. Les deux, il faut s'en séparer. Ce sont des installations qui sont classées pour la protection de l'environnement. Elles sont la solution. Et cette solution, elle est mise en œuvre dans des conditions de respect de l'environnement pour éviter effectivement qu'il y ait des transferts de pollution. La première destination de notre poubelle grise, c'est la décharge d'enfouissement. En France, 17 millions de tonnes d'ordures y sont stockées, soit un déchet sur cinq. Nous sommes à Pierrefeu-du-Var, en région PACA. Ceci n'est pas une pyramide Maya, mais une ISDND, une installation de stockage des déchets non dangereux du groupe Azur Valorisation. Elle fait partie des 220 centres en activité en France. Une décharge modèle que son directeur, Hervé Anton-Santi, accepte de nous faire visiter. Pour lui, l'enfouissement n'est pas un problème. Petit mode d'emploi. Une fois qu'on a mis toutes les barrières de protection du sol, on vient faire des tranches de 50 cm à peu près de déchets qu'on vient compacter avec ce type d'engin qu'on appelle compacteur pied de mouton, qui peuvent faire jusqu'à 55 tonnes de façon à atteindre quasiment une tonne par mètre cube. Les déchets cumulés puis mélangés avec de la terre vont créer ces étages artificiels, protégés par un nouveau revêtement étanche. Vous voyez une équipe de poseurs de membranes devant nous. Donc en noir, c'est la membrane qui vient recouvrir les talus. Et en vert, c'est la membrane qui va servir à drainer les eaux vers le bas de l'alvéole. Ces eaux sont ce qu'on appelle des lixivias, les jus que tout aliment produit en pourrissant dans notre poubelle. Ils sont récupérés et stockés dans un réservoir à ciel ouvert. Pour ce bassin-là, les lixivias viennent du massif de déchets que l'on a en visuel devant nous là. Et donc cette eau, elle est traitée, et c'est la technique de filtration la plus élaborée qui existe aujourd'hui. Donc on peut rejeter cette eau-là dans le milieu naturel. De cette filtration, il reste un concentrat à son tour traité dans cette station d'épuration. Les décharges sont indispensables parce que ça permet d'avoir un circuit officiel contrôlé qui participe à l'hygiène publique, à éviter que la pollution soit disséminée n'importe où, dans l'environnement, dans les océans. Et donc bien sûr que ce dernier maillon, il est indispensable au fonctionnement global de notre société. Alors, les décharges, c'est une catastrophe environnementale. Il y a des impacts, notamment dans la terre et parfois jusqu'aux nappes phréatiques. Parce qu'en fait, une décharge, il y a beaucoup de biodéchets, donc qui sont composés d'eau, qui vont former un jus qui devient toxique et qui va ensuite s'infiltrer malgré les bâches plastiques. Et c'est très néfaste pour les sols. La deuxième cause vraiment horrible des décharges, c'est la pollution de l'air. Et en particulier le méthane, qui est un gaz extrêmement polluant, qu'il faut absolument stopper. Mais à Azur Valorisation, la décharge est tellement bon élève qu'une partie de ce méthane va être réutilisée. Capté dans des tuyaux, il vient alimenter directement l'unité en énergie.
Et cerise sur le gâteau, la station a même embauché un effaroucheur qui vient tous les jours avec sa buse éloigner les mouettes. Ces oiseaux s'empoisonnent en se nourrissant de déchets. Parce que ces oiseaux-là, en fait, ils ont appris à manger que ici. Ils n'ont pas appris à manger en mer en chassant. Donc en fait, c'est leur seule cantine, c'est ici. Donc c'est leur seul repère, c'est de venir manger là. Donc on essaie aussi, du coup, quand il y a des plus jeunes qui viennent, de leur freiner leurs habitudes et de repartir en mer, du coup, et d'essayer de chercher à manger autre part. Si on n'intervient pas, il y aurait des milliers de goélands, comme vous pouvez voir sur certaines décharges, qui n'emploient pas des fauconniers ou autre type d'effarouchement. Car la plupart des décharges d'enfouissement ne sont pas aussi bien contrôlées. Nous retournons à Penmirabeau. Ce jour-là, Pierre et Renaud ont donné rendez-vous à leurs voisins, à quelques mètres de la décharge d'enfouissement de Suez. Bonjour. Bonjour. C'est ici que défilent les camions qui entrent et sortent du site dès 5h30 du matin. Ces dernières semaines, les riverains ont observé une activité de la décharge le samedi matin, alors qu'elle devrait être fermée tout le week-end. Ce rond-point est leur lieu stratégique pour exprimer leur mécontentement. Si on ne fait pas ça, en fait, après l'exploitation, ça devient n'importe quoi. Qui sait si dans 5 ans, ce n'est pas ouvert 7 jours sur 7. En tout, les Pénois estiment le passage des camions à environ 350 par jour. Beaucoup ne respectent pas la limitation de vitesse. Il y en a un sur 1000 qui s'arrête au stop. De quoi inquiéter les habitants des lotissements voisins. On n'a pas la visibilité. Eux l'ont, nous on l'a pas. Et donc une chance sur deux, soit on se fait couper la route par un camion, soit on arrive à passer. Moi j'ai des enfants en bas âge, je les laisse pas sortir en vélo parce que j'ai peur. J'ai peur tout simplement, quoi. Je pense que c'est légitime. Sur leur passage, les camions laissent tomber tous les jours des dizaines de morceaux de papier plastique dans la nature. Regardez le camion. Hop, il passe juste là-dessus. Et lorsqu'il ne bâche pas bien, en fait, vous avez tout qui s'envole. Et là, en fait, on se retrouve les lendemains d'épisodes venteux. Avec tous les plastiques, là, vous les avez, ils se raccrochent au grillage. Alors, on a du plastique, on a du sopalin, ça. Ce plastique est une plaie pour l'environnement. Issu du pétrole, il met des siècles à se dégrader. Et ici, il ne s'arrête pas au bord des routes. Alors là, il y en a de partout. Il vient également polluer les sites naturels, comme la forêt communale de Penmirabeau. Il y en a là. Située de l'autre côté du site d'enfouissement. Tout ça, ça vole, ça se... de la décharge, ça vient. C'est comment ce genre de truc. Ça, ça vole, mais sur des... Ça, ça va rester X années. Hein. Ça devrait être au tri, ça. Chez moi, je le mets dans la poubelle jaune du tri. Et pourquoi ça se retrouve là? Parce que là, il ne trie rien du tout. Et il y en a partout dans la colline. Regardez. Et là, j'ai fait 15 mètres. Hein. Vous imaginez, sur des hectares, il y en a partout. Chaque année, la France jette en moyenne 3,2 millions de tonnes de déchets plastiques. Et seul un faible pourcentage est recyclé. Écœurant de se promener, là. Regardez, et vous soulevez un buisson, pas besoin de le chercher, il y a plus de plastique que de champignons ici. Je ne m'en pas, le polystyrène, ça ne pousse pas sur les arbres, ça vient de là-bas. Là, ils ne nettoient jamais, sinon ils se piquent, ils se font mal, donc ils ne vont pas aller nettoyer. Le seul truc, ils vont raser un peu plus, c'est pour ça que là, il n'y a plus d'arbres. Avant, il y avait un peu des arbres, ils laissent quelques buissons pour arriver à nettoyer. Couper des arbres pour nettoyer les déchets au nom de la préservation de l'environnement. Un paradoxe de plus pour faire face à un produit dont on ne sait plus comment se débarrasser. Quand on parle de plastique, on parle d'emballage, mais en fait, c'est partout. On mange du plastique, on respire du plastique, on en a sur notre peau, on en a dans notre sang. Et pourtant, ça fait seulement quelques décennies que ça existe. Les décharges ne sont décidément pas la panacée. L'État a d'ailleurs décidé d'en fermer une grande partie. Mais dans les faits, les objectifs de réduction sont encore loin d'être atteints. Alors, l'incinération peut-elle nous aider à mieux traiter nos déchets? Nous sommes à Issy-les-Moulineaux, dans l'incinérateur vitrine du SICTOM, le syndicat mixte central de traitement des ordures ménagères d'Île-de-France. L'incinération est la deuxième destination de nos poubelles grises. Ici, chaque jour, environ 250 camions viennent déposer les déchets de tout le sud-ouest de la région parisienne. 530 000 tonnes d'ordures sont brûlées chaque année. Une quantité énorme, en partie parce que tout n'est pas recyclé. Là, si on s'approche, on voit bien des bouteilles en plastique. On a des bouteilles en plastique, on a des papiers. Ça, c'est du carton d'emballage. Là-bas, encore des bouteilles en plastique, de l'aluminium, des boîtes de conserve qui pourraient être aussi dans le bac jaune. On voit une bouteille en verre verte sur le rebord. Tout ça, ça devrait être dans les autres bacs, dans les autres filières qui existent et qui sont aujourd'hui, hélas,
trop peu encore parfois utilisé. Direction la salle des commandes, le centre névralgique du traitement des ordures. Donc là, on arrive sur le poste du pontier qui contrôle le grappin. Le grappin qui a une capacité de 5-6 tonnes par prise. Le but, bien mélanger tous les déchets avant de remplir le four. Car la présence de certaines matières non recyclées, comme le papier et le carton, entrave le bon fonctionnement de la combustion. Si la température du four n'est pas maintenue autour des 1000-1100 degrés, la combustion n'est pas parfaite et on peut avoir de la pollution. Autre facteur de pollution d'un incinérateur, la présence de certaines matières plastiques. Leur combustion peut former des composés persistants et très toxiques dans l'air, tels que les dioxines et les furanes. Mais comme chez Azur Valorisation, le SICTOM met plutôt l'accent sur la réutilisation de l'énergie émise par les déchets. C'est ce qu'on appelle la valorisation énergétique. Sur une tonne d'ordures ménagères qui est déposée dans le centre, en moyenne, à l'année, pour cette tonne, on va produire 225 kW d'électricité. L'électricité sert à alimenter l'usine, qui fonctionne en autonomie, et une tonne 8 de vapeur qui va alimenter le réseau de chauffage urbain parisien. La vapeur produite par l'incinérateur permettrait de chauffer l'équivalent d'environ 100 000 logements parisiens. Dans un espace urbain qui a un besoin énergétique local qui est très important. Avec une unité de valorisation énergétique, les déchets qui sont produits par des habitants sont transformés en énergie et retournent vers ses habitants. Donc oui, c'est une forme d'économie circulaire, même si le concept est beaucoup plus large. L'incinération, le problème, c'est que c'est une industrie. Et du coup, pour rendre rentable un incinérateur, il faut continuer à avoir des déchets pour produire de l'énergie. Et du coup, ça nous enferme dans une espèce de boucle infernale où si on se dit que les déchets sont des ressources, eh ben, on ne va pas être incité à réduire les déchets. À l'évidence, le traitement de nos déchets est loin d'être parfait. Décharge ou incinération, les deux modes posent des problèmes environnementaux. Alors peut-être faut-il tout simplement prendre le problème à la source et réduire nos poubelles. Alors on l'a vu, nous produisons des tonnes de déchets et vivons sous l'emprise du plastique. Il est partout, dans nos maisons, nos ordinateurs, nos vêtements, nos produits cosmétiques, l'eau en bouteille, jusque dans le sang ou le placenta humain. Comment y échapper ? Est-ce seulement possible de s'en libérer, Jeanne Guin ? Pour pouvoir s'en libérer, il faudrait déjà réfléchir à comment on consomme plutôt que comment on jette. Il faut savoir quand même que l'impact environnemental de nos consommations, il est lié à la production majoritairement. C'est plus de 80% de l'impact environnemental de nos consommations qui est lié à la production des objets. Donc se concentrer uniquement sur les modèles de traitement des déchets, c'est pas vraiment prendre le problème à la source en fait. Si on veut réduire les déchets qu'on produit, il faut aussi réduire tout ce qu'on achète qui est jetable ou qui est inutile, qui est en trop, toutes nos consommations superflues. Et donc, il faut se questionner, évidemment, sur nos modes de production et de consommation. Et sans doute que les questions de traitement des déchets se simplifieront par la suite. Je prends un seul exemple, puisqu'on parle beaucoup des emballages. Aujourd'hui, l'industrie du packaging semble totalement libre de créer des emballages les plus complexes, les plus colorés, les plus variés, les plus énormes aussi, tout simplement. On a beaucoup d'emballages qui sont à moitié vides. Et donc, c'est une industrie marketing, puisqu'un emballage, c'est censé aussi séduire, eh bien, il faut par exemple réglementer évidemment cette industrie pour qu'on n'ait pas de sur-emballage, moins d'alliages complexes qui rendent le tri impossible parfois. Justement, Maëlle Lemoyle, en 2020, l'Atlas du plastique évaluait à 70 kilos la consommation annuelle de plastique pour chaque Français, dont 45% proviennent d'emballages, vous venez de le dire, presque la moitié, c'est beaucoup trop. Est-ce que c'est pour vous un levier non négligeable dans un centre Leclerc ? Pour nous, la réduction du plastique est un engagement que l'on porte au niveau de Périfem, la fédération du commerce responsable. Et notre objectif, c'est de réduire le plastique en trouvant des solutions. Alors on le sait, vous en avez parlé, les fournisseurs travaillent déjà sur l'emballage en essayant de réduire. L'exemple le plus un peu connu, c'est le paquet de pâtes qui au début est en plastique et puis se transforme en carton, donc recyclable. Mais quel est l'objectif chiffré en fait de cette réduction de plastique au niveau du Périfem ? On a une obligation de réduction de 20% en 2025 de l'utilisation de l'emballage à usage unique. Mmh. Et donc Périfem travaille dessus et notamment a porté une initiative qui s'appelle En avant vrac, où on va essayer de massifier le vrac dans les hypermarchés, qui permettra aux producteurs de livrer directement des sachets souples contenant le produit et qui sera distribué en magasin. Donc le but,
c'est de réduire le plastique par des solutions comme le vrac. Et on sait aussi qu'on a des leviers, avec notamment la consigne. Alors ça peut être des bouteilles en verre, ça peut être aussi des barquettes en inox. Il y a énormément d'initiatives qui sont prises par les distributeurs. Vous vous êtes également donné pour mission de troquer les emballages des rayons boulangerie-pâtisserie par de la cellulose. Ça, c'est une solution viable. Nathalie Montard, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est toujours mieux que le plastique. Je pense peut-être qu'il faudrait aussi, avec tout ce qu'on a vu, faire la différence entre les différents matériaux. C'est vrai qu'en général, on parle des déchets de façon globale. Pour moi, il y en a un quand même qui est un petit peu plus dangereux que les autres. Pas parce qu'il pollue plus au moment de la production, mais parce qu'il pollue plus pendant l'usage et surtout très longtemps après. C'est un déchet qui est persistant. Est-ce qu'on peut le nommer, ce déchet ? C'est que le plastique est quand même un déchet à part qui ne s'insère dans aucun des cycles biogéochimiques de la planète. Et c'est pour ça qu'il s'y accumule. Alors que tout ce qui est à base de cellulose, ce sont des matériaux quand même qui sont biodégradables naturellement. Et l'idée, c'est pas... Quel est le pourcentage d'abord de plastique biodégradable ? Non, mais là, très faible, c'est ridicule. C'est ridicule. Non, donc, c'est même pas la peine d'en parler. C'est quoi ? C'est infime ? C'est infinitésimal ? C'est 2-3%? Oui. Il y a une certification pour ça, d'ailleurs, non ? Oui, tout à fait, avec un gros mélange sur la définition du biodégradable, parce qu'il y en a un qui est le PLA, qui ne l'est pas en conditions naturelles. Et donc, on retrouve au fin fond des glaces de l'Arctique, aux côtés des plastiques pétrochimiques conventionnels. Donc, je vous... Donc ça, c'est un leurre. Ambiguïtés sur les définitions. C'est pour ça qu'il est aussi de notre devoir de bien être clair sur la signification des différents termes, à commencer par celui de déchet. Parce que déchet, souvent, on va se dire, ben, c'est une fois qu'on l'a jeté. Oui, peut-être, mais pour le plastique, c'est pas le cas. La pollution, elle commence dès l'usage. Et du coup, par exemple, un matériau plastique utilisé en construction qui va être utilisé pendant des dizaines et des dizaines d'années, on peut se dire, ben, tant qu'il est utilisé, il ne pollue pas. C'est pas vrai. Lorsqu'on recherche la source des micro et des nanoplastiques que l'on retrouve dans notre environnement, on s'aperçoit que beaucoup correspondent à des plastiques en usage. Ceux que l'on retrouve au fin fond des glaces de l'Arctique proviennent de matériaux de construction pour l'isolation. Ce qu'on retrouve dans les eaux, par exemple, du lac Clément, proviennent des eaux de lavage de nos vêtements qui sont en cours d'utilisation. Ce qu'on retrouve dans l'air proviennent de l'usure des routes, puisque justement, on met dans les routes des résidus d'incinération des plastiques, et puis aussi de l'usage des pneus, parce que dans les pneus, il y a des plastiques. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déchets et déchets. Il faut réduire tous nos déchets, mais les déchets plastiques vraiment en priorité, parce que ce sont des matériaux qu'on lègue aux générations futures, qui ont un comportement très particulier. Ça, il faut le dire. C'est-à-dire qu'ils vont se fragmenter en tout petits bouts, mais de façon très très lente, et ils vont ensuite aller s'accumuler dans les organismes vivants, parce que aucun organisme vivant ne dispose des outils biologiques pour s'en débarrasser, y compris le nôtre. Donc une fois qu'il a pénétré... On les retrouve dans nos artères, ça provoque des maladies cardiovasculaires. Et il entraîne des dysfonctionnements, des inflammations. Est-ce qu'on connaît l'impact santé de ces Bien sûr. On sait qu'il y a des impacts santé très importants. Il est toujours très difficile de montrer du doigt un plastique, parce qu'on parle d'un plastique, mais en fait, il y a des milliers de plastiques différents, avec des histoires différentes, et donc avec des effets différents. Alors justement, on nous rebat les oreilles avec le recyclage. Le recyclage, c'est devenu l'alpha et l'oméga des politiques publiques. Mais pour ce qui est du plastique, par exemple, Étienne Contard, vous dites que le recyclage n'existe pas aussi peu que c'est une vaste fumisterie. C'est vrai, le recyclage est un vœu pieux, c'est un narratif qui a été... Donc c'est un leurre savamment... C'est quoi ? C'est un leurre savamment entretenu par les industriels pour nous encourager à consommer ? Moi, je dirais un vœu pieux. On aimerait pouvoir recycler le plastique comme n'importe quel matériau naturel se recycle. Par exemple, une feuille d'arbre qu'on retrouve ensuite au printemps d'après à l'identique parce qu'elle est biodégradable. Donc on s'est dit, on va faire pareil pour le plastique. Sauf qu'entre le discours et la réalité de la matière, la technologie, là, il y a un grand fossé. Et le grand fossé qui existe actuellement, c'est que le plastique a été conçu pour servir l'homme et pas pour être recyclé. C'est-à-dire pas pour être régénéré à l'identique. Et donc, comme on ne sait pas boucler la boucle, elle n'est pas tout à fait bouclée. Mais juste pour comprendre, quand on prend une bouteille d'eau et dont on nous dit qu'elle est recyclée, seul 25% de la bouteille est recyclée, le reste, c'est du plastique flambant neuf. Oui, tout à fait. Mais surtout, ça encore, à la rigueur, c'est un petit peu vertueux parce qu'on économise 25% de matière et donc de pollution. Quoique l'idéal étant, bien entendu, comme on l'a dit, de se passer de la bouteille. Avec une gourde, on s'en sort très bien. Comment faites-vous, monsieur Lemoyle, dans ces conditions ? Pourquoi ne pas supprimer ou demander, exiger que l'on supprime de votre Leclerc à vous intégralement le plastique ? C'est un coup d'État. Alors,
moi, quand j'entends madame, ce que je me dis, c'est qu'il faut agir. Ouais. Et c'est ce qu'on se tend et ce qu'on essaye de faire. Mmh. En réduisant le plastique, bien évidemment, l'emballage ne peut pas être supprimé du jour au lendemain parce qu'il présente des utilités en termes de transport, en termes d'hygiène, en termes de voilà, plusieurs utilités. Est-ce que les industriels ont la possibilité aujourd'hui de supprimer le plastique et de prendre d'autres matières? Ben, c'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne peux pas répondre à leur place. Non, mais vous êtes scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui... Bien sûr qu'il y a déjà des exemples où on a supprimé le plastique, par exemple, de tout un tas de fruits et légumes frais parce que le plastique ne servait strictement à rien. Mais ensuite, il y en a d'autres où il va falloir faire un travail sur la logistique du produit alimentaire. Et quels sont les usages en fait où le plastique est indispensable? Par exemple, pour vous, vous êtes bloqué par quoi? Sur quel type de produit? Parce que vous ne pouvez pas faire autrement qu'avec du plastique. Alors, on a toujours des solutions dites de substitution et on travaille dessus. Vous aviez parlé par exemple des emballages dans la boulangerie. On peut le transformer par des sacs Kraft. Je l'ai fait dans mon magasin. Ça nous a permis d'économiser 5 tonnes de plastique. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Donc, on doit agir et faire beaucoup de choses. Mais néanmoins... Quelle est votre feuille de route? Par exemple, effectivement, vous voulez substituer les barquettes en polystyrène expansées par des barquettes en résine. Mais est-ce que ça va assez loin? À l'heure actuelle, je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on agit. Oui. Le pire serait de ne rien faire, et comme l'a dit madame. Maintenant, il y a aussi d'autres enjeux qu'il faut prendre en compte quand on parle d'emballage. Un qui parle à tout le monde, c'est le carbone. Quand vous transportez un produit dans un emballage plastique et qui part sur la route, il est plus léger. Si demain, vous remplacez une bouteille de plastique par une bouteille en verre, le poids est plus important, l'impact carbone est plus important. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire. Je dis que quand on fait ce changement, il faut analyser l'ensemble des données. On sait que le carbone a pris une importance exceptionnelle dans notre vie. Donc, il faut être vigilant à tout ça. Et vous l'avez dit à juste titre, c'est un travail qui doit se faire collectivement avec les fournisseurs, avec les distributeurs, avec les consommateurs qu'il faut aussi accompagner dans ce changement parce que c'est des modes de consommation qui sont différentes. On rêverait tous de grandes allées avec que du vrac, mais actuellement, le consommateur, est-ce qu'il est réceptif à ce mode de consommation? Mais effectivement, peut-être, vous pourriez mettre en place des actions de pédagogie à l'attention des consommateurs pour améliorer la collecte, par exemple, dans vos enseignes, ou le vrac. Alors, dans beaucoup de magasins, vous avez des collecteurs qui viennent vous donner un bon d'achat, et c'est par ce système de gratification qu'on donne aux clients, on l'incite à ramener la bouteille en plastique. Pour ça, il faudra le généraliser, par exemple. Écoutez, je pense que le législateur doit aussi intervenir, ouais. Mais en tout cas, nous, on travaille dessus pour qu'une action... positif soit faite par les distributeurs. Ouais. Alors vous parliez de l'impact carbone de nos déchets domestiques, la transition est toute trouvée, Raphaël. Vous êtes penché sur nos poubelles avec balance et pince à épiler pour tenter de répondre à cette vaste question. C'est l'heure du climatoscope. Alors quand vous jetez vos déchets, même quand vous le faites dans la bonne poubelle, ils produisent du CO2 ou plutôt de l'équivalent CO2, c'est fatal. Alors il y a évidemment le ramassage des déchets qui a un impact à travers la pollution des camions poubelles, mais l'essentiel est en fait au niveau des incinérateurs et des décharges. Un incinérateur, c'est une combustion, ça libère du carbone. Et alors les sites sont plus ou moins équipés de turbines électriques qui permettent de faire un peu d'énergie à partir de ça, mais fatalement il y a production de CO2 de façon importante. Le deuxième poste très important du CO2 pour les déchets, ce sont les décharges. Si on y trouve du bois, du carton, des restes de nourriture, tout ce qui est un peu biologique, une fois enfoui, ça fermente et ça produit un gaz qu'on appelle le méthane qui a un effet réchauffant 30 à 40 fois supérieur à celui du CO2. Donc dans la filière déchets, là aussi, on arrive à récupérer ce méthane pour faire un peu d'énergie, mais c'est assez anecdotique, c'est limité. En 2019, par exemple, les déchets ont été responsables du rejet de 450 000 tonnes de CH4 dans l'atmosphère, soit 20% des émissions totales de méthane du pays. L'autre grand sujet dont on parle depuis tout à l'heure sur les poubelles, ce sont évidemment les emballages. Alors, je voulais juste donner des ordres de grandeur en matière de CO2 concernant les différents emballages. Si on prend un emballage d'un litre en papier, il a, sur l'ensemble de son circuit de vie, 5 grammes de carbone en impact. Si vous le prenez en carton, c'est 4 fois plus. S'il est en briques, c'est 6 fois plus. Si c'est du plastique, c'est 13 fois plus.
Et après, c'est ça qui est un peu surprenant, l'acier, l'aluminium, les conserves, là, ça va être 20 fois plus. Et le verre, lui, est à 50 fois plus de carbone qu'un sachet en plastique. Parce que comme c'est quelque chose qui est très lourd, il y a beaucoup d'énergie pour que ce soit produit, même quand il est recyclé, ça bouffe de l'énergie, donc ça lance du CO2. La seule solution envisageable pour le verre, bah, ça serait plutôt la consigne, la réutilisation, parce qu'on est sur des bilans carbone en termes d'emballage qui sont à peu près désastreux. Le plastique, c'est moins, mais comme vous le disiez, il pose d'autres problèmes. Exactement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'empreinte carbone qui compte, il y a l'empreinte plastique. Parce que lorsqu'on fait les bilans environnementaux sur les matériaux, eh bien, on ne prend compte que l'empreinte carbone. Alors que le plastique, sa principale dangerosité vient de son empreinte plastique, c'est-à-dire justement toutes ces particules de plastique qu'on retrouve absolument partout, y compris dans nos corps et nos artères. Et c'est là où il faut faire très attention. On ne peut pas raisonner uniquement sur l'empreinte carbone quand on parle de plastique, parce qu'on oublie le principal facteur de dangerosité du plastique. Et voilà la raison pour laquelle le plastique a été favorisé dans tout un tas de stratégies pour lutter contre la pollution, parce qu'on a tout simplement oublié le principal facteur de pollution. Donc en fait, même si le verre et le métal sont plus impactants, il faut quand même privilégier le réemploi. Verre, métal, papier, carton, en passant par etc. le réemploi plutôt que le recyclage. Non, pas d'empreinte plastique. Ouais. Et bien entendu qu'il faut réutiliser. Alors, comment expliquez-vous que ce n'est pas ce que favorise l'État avec son plan France Relance ? Parce que 40 millions investis dans le réemploi contre 341 millions d'euros pour le recyclage. Parce qu'on a toujours cette illusion du recyclage, on est toujours accroché. On n'a pas envie de changer. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de réduire notre consommation de plastique, on a envie de continuer à consommer. D'ailleurs, la preuve en est, c'est qu'on ne parle pas de changement de pratique, mais de substitution. C'est-à-dire qu'on voudrait pouvoir trouver un procédé ou un matériau qui pourrait remplacer miraculeusement tous ces plastiques inutiles pourtant qu'on utilise. C'est ça qui est assez fou quand même. Mmh. Et puis, on ne veut pas changer, on veut juste rajouter une roue, et ça va être une roue, bien entendu, industrielle, de l'innovation, c'est un narratif qu'on raconte, et puis on va faire des bénéfices sur cette roue. Hein. C'est cette roue, c'est ce nouveau cycle qu'on va rajouter, qui est celui du recyclage. Malheureusement, technologiquement, le recyclage n'existe pas. Alors, on va vous dire... il va exister. Nous, on travaille dessus aussi dans notre laboratoire, hein, essayer de développer des procédés de recyclage du plastique. Alors peut-être qu'un jour on y arrivera, moi je ne parierai pas dessus dans les 10 ou 20 ou 30 années à venir, parce qu'on en est quand même assez loin, et en même temps je me dis, mais quel est l'intérêt d'aller recycler des plastiques qui ne nous servent à rien ? Non mais c'est juste une question de bon sens. Mais, le recyclage, ça rentre aussi dans cette notion que vous appelez l'utopisme du déchet, Jeanne Guien. C'est-à-dire croire ou faire croire que mettre quelque chose dans une poubelle suffit à la faire disparaître ou à la neutraliser comme par magie. En fait, c'est un peu le propos aussi du recyclage. Bien sûr, l'économie circulaire et toutes ses promesses est fondée là-dessus. Hein. C'est une autre version du jetable, c'est le jetable finalement acceptable. Et on voit que les lois récentes sont fondées là-dessus. Il y a eu 10 produits jetables plastiques qui ont été interdits, mais qui ont été finalement substitués par d'autres produits jetables dans d'autres matériaux. En réalité, c'est à la fois un mythe et un piège, parce que ça nous incite à continuer à consommer. C'est le rôle des mythes, c'est le rôle des mythes, hein, de nous faire adhérer au monde social dans lequel on vit. Ouais. Et donc on se rend compte que par exemple ces produits, par exemple les cotons-tiges en plastique ont été interdits, bon, il y a toutes sortes d'autres matériaux qui ont permis de continuer à faire des cotons-tiges et d'autres produits jetables. On ne pose pas la question sur laquelle on s'accorde à dire que c'est la question importante, à savoir celle des habitudes. Nous avons été acculturés vers une culture de l'entretien à une culture du jetable. Il est donc tout à fait possible de réinventer une culture de l'entretien, mais pour ça, il ne faut pas chercher des nouveaux matériaux de jetable et des nouvelles manières de traiter tous ces déchets du jetable, il faut accepter de se passer du jetable comme modèle de consommation. Un mot encore sur la promesse d'un cycle fermé de cette économie circulaire qui nous évite aussi, j'imagine, de questionner le système pour nous conforter dans l'idée en fait qu'on peut vivre dans une croissance illimitée. Bien sûr, et d'ailleurs je suis très intéressée par les propos de monsieur, c'est-à-dire que est-ce que si des centres de distribution, que ce soit Leclerc ou un autre, installent une offre de vrac ou une offre zéro déchet, est-ce qu'ils vont continuer à côté, comme c'est le cas maintenant, à produire une offre emballée, une offre de jetable ? En général, c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'avec les éco-produits ou les produits verts, c'est une offre supplémentaire. On a des produits polluants, jetables, sur-emballés, et à côté, on a quelques produits pour des consommateurs vertueux. Toujours évidemment. Un peu plus cher. Toujours moyens, beaucoup plus cher et toujours beaucoup plus difficile à trouver. Ça donne quoi ? Ça donne on continue dans notre croissance
croissance de la consommation là où il faudrait une décroissance. Ça crée de l'injustice sociale, puisque évidemment on a une distinction entre consommateurs de bio riches et cultivés, hein, qui ont accès à l'information sur les déchets, et les autres consommateurs. Et ça nous permet de continuer dans le sens du problème, c'est-à-dire de produire toujours plus. Mais Lemoine, je vous laisse répondre. Oui, on travaille sur des offres de vrac qui sont moins chères que des offres emballées. Néanmoins, on s'est rendu compte ces deux dernières années qu'on a eu un recul des ventes du vrac. Comment l'expliquez-vous d'ailleurs ? Il y a eu plusieurs causes. Déjà, le Covid. Mm-hmm. Le Covid a créé beaucoup d'inquiétudes pour le consommateur. Et le fait de devoir toucher le distributeur de produits n'a pas rassuré. Le plastique, même si on le dit, a des inconvénients, a une vertu, c'est qu'il rassure. Alors peut-être qu'il y a un travail de pédagogie, on en parlait un peu. D'ailleurs, Geneviève, historiquement, c'est la peur de la saleté qui a incité les gens à acheter de nouveaux produits. C'est un ressort très très important. La peur de la contamination, de la saleté et aussi du regard des autres, c'est-à-dire de la saleté que vous dégageriez si vous utilisiez par exemple des produits réutilisables, notamment les produits d'hygiène du corps. Ça a été un modèle publicitaire, ce qu'on appelle la shame campaign, la campagne de la honte, qui cible notamment les femmes, consiste à dire que vous êtes dégoûtant et tout ce qui va oui, avec. Parce que ce que vous racontez dans votre livre, c'est que jusqu'à la fin du 19e siècle, la notion de déchet telle qu'on l'entend aujourd'hui n'existait pas. Tout était valorisé, recyclé, jamais jeté. Alors, peut-être pas tout absolument, mais en tout cas, ce qui restait n'était pas toxique et dangereux, voilà, puisqu'on avait des matériaux différents. En tout cas, le gaspillage est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, une pratique socialement valorisée, d'abondance et tout confort. Tout dépend des pays dont on parle, hein, mais si on suit l'histoire des produits jetables, ils ont toujours été accompagnés d'une idéologie publicitaire qui consiste à dire que si vous ne les utilisez pas, vous êtes sale, vous êtes irresponsable, vous êtes ignorant, puisque vous ne connaissez pas toutes les vertus de ces objets. Et donc ça, c'est très puissant. Alors justement, et on le retrouve évidemment dans des moments de panique collective comme le Covid, où là on a eu des reculs énormes sur les faibles avancées qu'on avait en termes d'abolition du jetable. Vous parlez de publicité, ne faudrait-il pas précisément réguler la pub comme on, comme on l'a fait, comme on a interdit la publicité pour le tabac et l'alcool? Pourquoi ne pas interdire la publicité qui font la promotion de produits emballés de plastique? Bien sûr. Faire de la publicité pour informer. Mmh. On a eu par exemple des campagnes publicitaires pour expliquer que les antibiotiques, on ne pouvait pas les utiliser n'importe comment. Et je pense qu'on pourrait avoir exactement la même pour les plastiques, en disant les plastiques, oui, bien utilisés en très faible quantité, ça apporte des bénéfices, mais si on les utilise trop ou mal, on a des effets secondaires qui peuvent être terribles, quoi. Vous seriez favorable à une réglementation plus stricte sur l'emballage plastique, par exemple ? Je ne crois pas à toute interdiction. On est dans un monde libre. Par contre, le travail d'incitation, d'information... En même temps, vous dites qu'il faut passer par la loi pour réguler. D'information du consommateur... C'est une bonne chose. Après, que chacun ait son rôle à jouer, qu'on soit distributeur, fournisseur, législateur, chacun a son rôle à jouer, vous l'avez dit. Mais le tout interdit, j'y crois pas, en tout cas. C'est pas ce qu'on porte, parce qu'on est quand même dans une activité économique. N'oublions pas, et ça je pense que c'est fondamental, nous, notre travail en tant que distributeur, c'est de répondre aux besoins des clients. Est-ce que je pourrais ajouter quelque chose sur la question de la publicité ? J'aimerais élargir. Évidemment, moi, je suis favorable à une réglementation très stricte de la publicité, qui est très difficile aujourd'hui de porter en France, puisque c'est une industrie qui a beaucoup de pouvoir en France, et notamment sur les médias. Mais j'aimerais élargir au marketing en général. C'est-à-dire que le marketing, ça comprend la publicité, mais aussi, par exemple, le merchandising, la manière dont les produits sont mis en avant dans les magasins, ou le packaging dont je parlais tout à l'heure, concernant le merchandising. Il faut rappeler que, par exemple, dans la grande distribution, il y a des règles, par exemple, de toujours remplir les rayons, de mettre cette image de surabondance. Vous n'avez jamais de trous, par exemple, dans vos cagettes de fruits et légumes. Qu'est-ce que ça crée ? Du gaspillage alimentaire. Donc ça, c'est un exemple parmi... Vous confirmez, Lemoine, il n'y a jamais de vide dans vos rayons ? Non, c'est clairement un objectif d'avoir une présentation, mais c'est aussi pour respecter tout simplement le client. Le client, quand il vient dans son hypermarché, il consacre un temps défini et il veut trouver rapidement ses produits. Et donc, c'est normal qu'il y ait une présentation. Ça, c'est peut-être dû aussi à la taille de la grande distribution, oui, qui rend souvent le rendez-vous dans un supermarché une errance infinie. Et du coup, le merchandising s'en sert aussi d'ailleurs pour mettre sur notre chemin des produits qu'on n'était pas venu chercher. Oui. Certaines communes comme Besançon ont mis en place avec succès des outils pour réduire les déchets, comme la redevance incitative, selon un principe simple: plus vous produisez de déchets, plus vous payez. Est-ce que c'est à généraliser ?
Alors c'est bien, oui, bien sûr, tout ce qui contribue à réduire les déchets, c'est toujours bien. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que c'est toujours un petit peu tordu dans la mesure où on s'adresse aux déchets, c'est-à-dire à l'étape finale. Et où on a l'impression, là encore, je le répète, que par exemple, le plastique ne pollue que lorsqu'il devient un déchet. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous faites le choix de mettre des menuiseries en PVC chez vous, vous commencez à polluer dès l'installation de la menuiserie. Donc, il y a des déchets qu'il faut vraiment éviter. Les déchets plastiques, ce sont les déchets qu'il faut éviter. Et donc là, il n'y a pas d'autre solution que de commencer à fermer le robinet. Alors, mais donc, à légiférer, il faudrait que ça passe par la loi, fixer des objectifs précis. Bien sûr, des objectifs de réduction d'utilisation de ces plastiques à fixer aux industriels. Les plastiques que vous consommez aujourd'hui vont se retrouver dans le corps de vos arrière-arrière petits-enfants. Donc la responsabilité élargie du producteur, elle s'applique sur un temps très court. Donc c'est toujours des mesures de court et moyen terme. Elle ne va pas s'appliquer sur plusieurs siècles, bien évidemment, on ne va pas aller chercher. Et c'est le cas de tous les polluants éternels. Il y a des sites qui sont entièrement pollués d'industriels qui n'existent plus. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher ces industriels? Au cimetière. C'est-à-dire qu'on est toujours focalisé sur nous. Et chaque fois, on me dit, mais Nathalie, tu devrais cibler, vraiment concentrer ton discours sur les maladies que le plastique engendre aujourd'hui, etc., comme si on n'était pas responsable de ce qui se passe ailleurs. Mais ailleurs, géographiquement, tiens, quelque part, nos déchets partent, ben on s'en fout, mais aussi ailleurs, dans le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça va impacter les générations futures, ben, bon, se débrouilleront avec nos déchets. Alors, parlons de nos biodéchets biodégradables. Depuis le 1er janvier 2024, Raphaël, les collectivités sont dans l'obligation de collecter ces biodéchets. Où en sommes-nous de ce tri à la source? Et y a-t-il du retard à l'allumage? Le fait est que la logistique n'a pas suivi effectivement l'obligation pour les collectivités de proposer des solutions pour le tri des biodéchets pour les foyers. Figure dans la loi de la croissance verte depuis 2015. Et l'échéance était au 1er janvier 2024. Et le fait est que l'ADEME, les estimations de l'ADEME montrent que seulement un Français sur trois dispose vraiment d'une solution pour pouvoir composter ou mettre dans un circuit de compostage à travers une collecte de porte-à-porte ou des points de dépôt volontaire. Le retard est d'ailleurs assumé. Alors pourquoi tant de retard? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'il n'y avait pas d'objectif chiffré qui avait été donné aux collectivités et donc il n'y a pas eu de sanction de prévu. Donc il y a un certain nombre de collectivités qui ne sont pas engagées dans le processus. Et il y a quelque chose de plus pernicieux qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est que les collectivités sont déjà engagées dans la filière incinération. C'est-à-dire qu'ils ont des contrats sur 5, 10, 15 ans, 20 ans pour fournir des déchets donc, en fait, à des entreprises privées. Et s'ils ne donnent pas les volumes, il y a des pénalités. Et donc, du coup, ils sont un peu verrouillés. Donc, en fait, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on réduise nos déchets. Ils ont un problème financier à basculer. Et donc, du coup, ça n'incite pas à prendre une autre filière. C'est pareil dans les incinérateurs. Ils sont incités à faire venir toujours plus de déchets, voire, comme dans le cas de la Suède, à en importer. On est dans une dynamique qu'on appelle de lock-in, de dépendance au sentier, c'est-à-dire qu'on continue sur les mêmes schémas de consommation et de traitement des déchets parce qu'on a investi. On a créé l'obligation de fabriquer des déchets. Pour nourrir la machine. Ouais. Vous ne me contredirez pas, donc, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, mais à défaut de solutions miracles, et en attendant de tendre vers le zéro déchet, certains innovent pour mieux nous aider à changer de logiciel. Le monde de demain commence aujourd'hui, et c'est un reportage d'Emma Guizot et Ibar Aïbar. À Issy-les-Moulineaux, un restaurant de burgers bio se met au vert. Bonjour. Mehdi Lassouède, de l'association Les Alchimistes, va former les employés de ce fast-food au tri des déchets alimentaires. Ce bac-là, 35 litres, il sera collecté une fois par semaine sur votre site. Le principe, c'est quoi? C'est le collecteur vient avec un bac propre et vide et vous l'échange contre votre bac plein et sale, ce qui vous permet de fonctionner en vrac. Donc tous les déchets alimentaires, vous pouvez les mettre sans sac. Ce que vous pouvez mettre dans le bac, c'est tout ce qui est d'origine animale ou végétale, cru ou cuit, tout ce qui pourrait être plus ou moins grignoté par un chien, un chat, une poule, un cochon. Voilà. Depuis 2016, bien avant toute loi, les alchimistes travaillent avec des restaurants, des hôpitaux et des écoles pour récolter les déchets alimentaires de la région. Notre solution, c'est d'orienter ça vers le compostage pour notamment renourrir les sols en Île-de-France. Transformer nos déchets alimentaires en compost, une des initiatives que la loi aurait dû mettre en place au 1er janvier 2024. Mais ça n'est pas encore le cas partout. Est-ce que vous avez d'autres questions, des petites précisions? Non, merci. Non? Merci beaucoup.
En effet, seuls 6% de la population française est couverte par la collecte séparée des déchets alimentaires. Alors là, j'ai récupéré en fait les déchets de cuisine, salade, noyau d'avocat, peau d'avocat, quelques déchets de service lors de la préparation des burgers. Et là, en fait, on récupère les déchets en salle. Les gens aiment bien les frites, donc ils les mangent à la fin. De quoi réduire drastiquement la quantité de leurs déchets résiduels, jusqu'à maintenant destinés à la décharge ou l'incinérateur. C'est vrai que là, la poubelle noire, ça va devenir un objet de décoration. Et les alchimistes, ces magiciens des poubelles, ont d'autres tours dans leur sac. Dans le 19e arrondissement de Paris, à la crèche sur un air de polka, ils ont eu une idée inédite et originale. Recycler des couches. Les couches culottes sont une calamité pour l'environnement. Les Français en jettent plus de 3 milliards par an et elles mettent 500 ans à se dégrader. Dans cette crèche pilote, des couches compostables, fabriquées à partir de cellulose, sont en cours d'expérimentation. Dans ce bac que tire Lucie Cascarini, la directrice de la crèche, il y a l'équivalent de 20 kg de couches compostables. Donc ça, vous sortez ça toutes les semaines ? Une fois par semaine, oui. Grâce à cette initiative, la poubelle grise de la crèche a réduit de plus de moitié. On essaie de trouver en tout cas toutes les solutions qu'on peut pour réduire notre impact. Voilà. Et l'idée, c'est aussi de transmettre aux familles et aux enfants. Quelques minutes plus tard, Julien Reduron, responsable technique aux alchimistes, vient récupérer son butin. Direction Pantin, sur un petit îlot de verdure. La plateforme de compostage de l'association est prête à accueillir la collecte de la semaine. Première étape, Julien place les couches dans le broyeur, pleine. Car les sels sont une matière organique idéale pour nourrir les sols. En quelques minutes, la couche est en 1000 morceaux. Alors ben on peut regarder à l'intérieur. Tout a vocation à se dégrader, donc ça va ressembler à la couche. Simplement, c'est des matières qui peuvent se composter. Après broyage, Julien vient alimenter son compost, qui repose depuis déjà quelques semaines. Dans cette mixture, 40% de couches compostables sont mélangées à 40 autres % de déchets alimentaires et 20% de broyat de bois. Donc ça, c'est les fragments qui ont été broyés là dans la semaine. Si la décomposition se déroule bien, la température augmente. Ici, elle atteint les 75 degrés. Sur une matière peut-être un petit peu plus ancienne, on n'est plus sur les fragments de couches du début de semaine, des fragments peut-être un petit peu plus anciens qui commencent à devenir plus petits, parce qu'ils se dégradent, ils sont décomposés. La matière mettra environ un mois à disparaître complètement pour créer un compost de couches presque identique à un compost classique. Et donc, au bout de quelques mois, on va obtenir le compost qu'on peut voir ici. On est vraiment sur une matière qui ne laisse plus apparaître le moindre fragment de couche pour garder que cette belle matière qu'on peut redonner aux plantes. La qualité du compost est ensuite testée par l'école d'horticulture de Paris et jusque-là, largement approuvée. Les alchimistes espèrent commercialiser leurs produits très bientôt et ainsi aider nombreuses familles et crèches à réduire leurs poubelles grises. Le gouvernement a promis 100% de recyclage plastique en 2025. Concrètement, comment y parvient-on, sachant que le recyclage n'existe pas ou peu ? Je ne sais pas. Je pense qu'on n'y arrivera tout simplement pas. Ouais. C'est une façon de se rassurer et puis de se dire on va faire un effort. Et puis... Non, on ne peut pas recycler 100% de plastique. Donc c'est une annonce complètement... On peut le décycler. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décycler. C'est-à-dire que le vrai recyclage en régénère à l'identique. On ne sait pas le faire, on décycle. C'est-à-dire qu'on va transformer le plastique légèrement dégradé en un autre matériau. Ce faisant, on va remplacer des matériaux qui ne posaient pas de problème, comme par exemple la laine de votre pull, qui est devenu du polyester recyclé. Du plastique, non, polyester.
Voilà, le polyester étant du plastique. Donc, on remplace des matériaux locaux, traditionnels, qui ne posaient pas de gros problèmes environnementaux. Et en fait, c'est une façon de stocker du déchet plastique, parce que ce pull en polyester, soi-disant recyclé, dès que vous allez le laver, il va rejeter des microplastiques et il va continuer à polluer. Puis, une fois que vous aurez fini de le porter, bah, il va encore continuer à polluer. Alors, des chercheurs affirment avoir pourtant trouvé une enzyme pour recycler à l'infini le plastique qui sert aux bouteilles en plastique. Info ou intox ? C'est pareil, c'est une belle avancée scientifique, mais qui aura une portée extrêmement limitée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter que certains plastiques, ce sont les PET, qu'on peut en plus recycler mécaniquement. Et puis finalement, c'est ceux qu'on utilise pour les bouteilles, alors qu'on peut se passer des bouteilles, on n'a qu'à utiliser des gourdes. Donc l'impact, en fait, sera extrêmement limité. Donc c'est aussi un élément du puzzle de la solution, mais qui est tout petit. Donc c'est là où il faut bien se rendre compte que si on ne réduit pas notre consommation, on n'aura pas d'effet significatif sur la réduction de la pollution plastique. Jeanne Guin, la sobriété a-t-elle des chances de devenir une idée en croissance ? À terme d'idée, oui, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est valorisé, mais ça ne passe pas dans les pratiques, tout simplement. Pourquoi ? Parce que la consommation, ce n'est pas que de l'ordre des idées. C'est de l'ordre de la matérialité, de la vie, du quotidien, des habitudes, des contraintes, de l'argent, etc. Donc vous avez beau avoir de belles idées de sobriété, si autour de vous, le monde est organisé de façon à ne vous donner accès qu'à des produits transformés, suremballés, transportés depuis l'autre bout du monde. Donc si le monde et l'économie est organisé de façon à rendre le consumérisme possible, forcément, vous avez beau avoir des idées de sobriété, vous ne pourrez jamais les appliquer, vous retrouverez à subir ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est le cas, je crois, de beaucoup de gens aujourd'hui en France. Nous en sommes tous en dissonance cognitive. Jeanne Guin, ça va vous intéresser ce qu'on va vous montrer. C'est Charlotte Épale qui est allée fouiller dans les archives de l'INA et nous a exhumé ceci. C'est hier encore, c'est notre coup d'œil dans le rétro et c'est maintenant. Signe des temps encore, reflété au salon de l'emballage avec une impressionnante collection de conditionnements perdus. Réputé jadis grand collectionneur de récipients vides, le Français s'habitue à tout jeter après usage. Fait significatif, l'un des Oscars du salon est allé à une société qui révolutionne la distribution des vins de consommation courante avec un emballage ultra léger, non consigné. Donc le vin lui-même se plie au nouveau style. Fabriqué en grande série près de Marseille, ces majorettes, qui ne pèsent que 36 grammes, ne servent strictement plus qu'à l'acheminement du vin, du lieu d'embouteillage à la table où il sera consommé. À la bouteille d'hier qu'il fallait récupérer, laver, au prix d'une manutention coûteuse, succède aujourd'hui aux éventaires la bouteille que l'on jette, purement et simplement. La vie moderne est la grande ennemie du temps perdu. Et le jour n'est peut-être pas si loin où, le repas terminé, le couvert, au même titre que la bouteille, retournera aussitôt au néant. Expéditif et tellement reposant. Une réaction, Mal ? Je pense qu'on constate qu'il y a des évolutions technologiques qui se font. Là, vous avez montré un document qui montrait qu'à l'époque, le plastique, on pensait que c'était une bonne avancée. Et vous en avez parlé aussi. Je pense qu'il va y avoir des nouvelles innovations qu'il faudra mettre en avant, qu'il faudra propulser, accompagner ces start-up qui trouvent des solutions d'avenir et pour avoir... une solution qui soit meilleure pour l'environnement et pour la santé, comme on en parle. Mais d'après ce que dit Nathalie Contard, le plastique, c'est pas fantastique et les progrès technologiques ne vont pas nous sauver de tout. Si je peux me permettre, les vérités d'aujourd'hui ne seront pas forcément celles de demain. Absolument, vous avez parfaitement raison. Moi, j'aimerais réagir. Ce qui est intéressant, c'est que face à des images du passé, vous nous parlez du futur. Or, qu'est-ce qu'on voit ici ? Le Français était grand collectionneur d'emballages perdus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les gens avaient l'habitude de s'organiser différemment pour leur vie matérielle et tout simplement garder leurs emballages pour se servir dans les commerces. Et qu'à un moment donné dans l'histoire, eh bien, des entreprises ont reformulé cette collection d'emballages perdus en, je cite encore ce document, manutention coûteuse. C'est-à-dire ça nous coûte du temps, hein, cette idée que tout est une affaire de temps, alors que finalement, ce sont ces industriels à qui ça fait gagner du temps et de l'argent que de nous mettre ces produits jetables dans la main. Et donc finalement, tout ça aussi est une affaire de comment on reformule historiquement. Et donc moi, ce que je retiens, c'est qu'on a là un document du passé qui nous dit quelque chose qui a été possible réellement, les humains l'ont fait, tandis que ces promesses de techno-solutionnisme, la technologie va venir et va nous sauver, elles nous parlent d'un futur dont personne ne connaît rien. Donc, les témoignages du passé sont plus certains que les promesses de l'avenir, voilà ce que je voudrais dire. Place maintenant à celle que le monde nous envie, la très talentueuse Camille Etienne, notre éco-activiste préférée, a beaucoup de choses à nous dire, c'est l'heure de sa carte verte.
Saviez-vous que dans votre pot de yaourt pouvaient se trouver des substances chimiques qui pourraient bien rendre malades vos enfants sur des générations entières? Alors croyez-moi, j'aimerais me défaire de ce certain don pour casser l'ambiance, mais je suis tombée depuis quelques mois sur le sujet le plus passionnant qu'il m'ait été donné de traiter, celui des polluants éternels ou PFAS. Les PFAS sont une substance chimique inventée par l'homme en 1938. D'abord par un accident, par un chimiste de la firme Dupont, en essayant de refroidir de la neige carbonique avec du fluor. 2 ans plus tard, le premier PFAS est utilisé dans le projet Manhattan, soit l'élaboration de la bombe atomique, avant de servir au revêtement des chars de l'armée américaine. Quel rapport entre la bombe atomique et un pot de yaourt, me direz-vous? Eh bien, j'y arrive. Les PFAS sont incroyables pour tout passionné de chimie. Ils sont résistants à l'eau, à de très hautes températures, ont une persistance hors du commun. Si bien que quelques années plus tard, les industriels décident de les utiliser dans les produits du quotidien, à commencer par le fameux téflon de nos poêles à frire, jusqu'à inonder la grande famille des emballages alimentaires. Concrètement, il y en a partout. Partout, même dans notre corps, et c'est bien ça le problème. On les dit éternels parce qu'ils ont la particularité d'être les seuls dans la famille des molécules chimiques à être indestructibles. Ils ne se cassent ni ne s'éliminent jamais. C'est ce qui les rend à ce point persistants. Ils s'accumulent dans notre organisme, dans les sols, dans les cours d'eau, pour des dizaines et des dizaines d'années. La communauté scientifique, il y a 10 ans déjà, lors de la déclaration de Madrid, alertait l'ensemble des pouvoirs publics sur la toxicité de ces PFAS. Ils sont par exemple pour certains reprotoxiques, c'est-à-dire qu'ils altèrent notre fertilité, baissent le développement du fœtus, perturbent notre système immunitaire, ou encore le Centre international de cancer a même classé le plus étudié d'entre eux, le PFOA, comme cancérigène certain. Il a depuis été interdit en 2020. À faire classer, me direz-vous, pas si facilement. La manière dont fonctionne la mise sur le marché des produits chimiques depuis des décennies favorise l'industrie avant la santé publique. Il y a d'ailleurs un petit dicton dans le milieu des chimistes qui dit qu'il faut 90 jours pour mettre une molécule sur le marché et 20 ans pour l'en retirer. La charge de la preuve est à nous, aux citoyens. À coups de procès et de tribunes médiatiques, de lois, il nous revient de prouver la toxicité d'une molécule, puis de tout faire pour convaincre les décideurs de la retirer du marché. Mais les industriels ont toujours un coup d'avance sur les scientifiques et les pouvoirs publics. Si le PFOA est interdit, il leur suffit de changer très légèrement sa structure et ainsi créer un nouveau PFAS autorisé, que les scientifiques mettront des années à étudier et que les régulateurs mettront 10 ans de plus à interdire. Pendant ce temps, les premières études, y compris des intéressés scientifiques industriels eux-mêmes sur les substituts, montrent des liens étroits entre de nombreuses maladies et l'exposition à ces nouveaux PFAS. Et c'est précisément ce qu'ils ont fait. Il existe aujourd'hui plus de 14 000 PFAS. Alors que faire ? Alerter les citoyens de ce scandale sanitaire passé sous les radars d'abord, puis ensuite interdire la famille entière des PFAS. Cesser de les bannir un à un pour protéger les générations à venir de l'exposition à ces polluants éternels. Certains pays commencent à prendre le sujet à bras-le-corps. Aux États-Unis, par exemple, le film Dark Waters a fait un tel scandale que c'était une des toutes premières annonces de campagne de Joe Biden. La Nouvelle-Zélande a annoncé il y a 2 semaines l'interdire dans les cosmétiques et l'Europe est en train de se pencher sur le sujet. Sur le sujet précisément des emballages alimentaires, justement. Mais le processus est lent et le lobby industriel déjà aux aguets pour négocier les dérogations les unes après les autres, alors que le temps presse, car chaque PFAS émis dans la nature y reste pour toujours. J'espère que vous regarderez donc votre pot de yaourt un petit peu différemment. Ça, c'est certain, Nadia Gontard. Merci Camille pour cette alerte. Il faut quand même bien réaliser que tout ce qui s'accumule, ce sont des quantités, chaque fois que l'on produit, ce sont des quantités qui vont s'ajouter et qui vont devenir très importantes et qui vont impacter les générations à venir. Avant de nous quitter, quelques livres pour aller plus loin. L'indispensable Océan Plastique de Nelly Ponce aux éditions Actes Sud. Votre enquête, Nathalie Gontard, qui se lit comme un polar, Plastique, le grand emballement chez Stock. Pour nous désintoxiquer, je vous conseille le livre de Jeanne Guien, Le consumérisme à travers les objets et ce mode d'emploi de Nelly Ponce, déplastifier sa vie dans la collection Je passe à l'acte chez Actes Sud, sans oublier bien sûr Homo Detritus, l'essai de Baptiste Mont-Saint-Jean au seuil. Nous vivons à une époque où nous touchons plus souvent du plastique que ce que nous aimons. Essayons d'inverser le ratio, on s'en portera tous mieux. Allez, je vous retrouve le mois prochain.